Bonsoir Lesitata. César Fanou revient vous voir avec une jeune femme que vous ne connaissez pas ou peu. Elle a longtemps cherché sa voie, hésitant entre le sport et la psychologie enfantine, avant de trouver la lumière grâce à la passion pour l'image qui l'anime depuis petite. Son goût pour l'aventure l'a emmenée très loin, mais appelée ou happée par ses racines martiniquaises, elle a décidé de revenir au pays pour nous faire profiter de son talent créatif. Bonsoir Marina Jallier. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir, de recevoir une jeune martiniquaise. Alors on va le voir, vous êtes métisse, de père martiniquais et d'une mère métropolitaine. Oui, c'est ça. Mais inévitablement, avec un nom comme le vôtre, quand on porte le même nom que Maurice Jallier, vous n'avez pas dû échapper à la question. Non, bien sûr. On me demande souvent quel est mon lien avec Maurice. Donc c'était le cousin germain de mon grand-père. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui je suis autant attachée à mes racines. Je pense que ça coule dans le sang quelque part, à mon avis, quand on a une famille comme celle-là. Alors on va d'abord évoquer votre itinéraire avant de voir ce formidable parcours qui vous a amené à la réalisation audiovisuelle. On commence donc par Kimounouye. Alors Marina Jallier, Kimounouye. Très bonne question, question très vaste. Je dirais que je suis une jeune femme métisse, très polyvalente, avec un goût prononcé pour effectivement l'aventure, l'image. Au niveau caractère, deux, trois mots pour le caractériser, c'est le cas de le dire. Je dirais que j'ai un caractère assez fort, très déterminé. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais comment y aller. Et le reste, on va le voir au fur et à mesure de l'émission. Ouais. On va commencer par une très jolie photo que vous aimez particulièrement, d'ailleurs, je crois. Ouais. C'est la petite Marina en costume traditionnel. Elle arrive, notre photo. Voilà. Voilà, c'est un costume qui avait été cousu par ma grand-mère, du coup, au Gros Morne. Ma grand-mère était couturière. Voilà, elle était dans une. On a toujours la petite maison modeste du Gros Morne où j'ai quelque part grandi, même si je vivais principalement en métropole, j'y retournais très souvent. Et c'est vrai que de très vite, j'ai senti que c'était chez moi, en fait. J'avais beau vivre à Paris, c'était là-bas que je me sentais le mieux, c'était auprès des miens, il y avait quelque chose de particulier. Ouais, je me trouve très mignonne en petite madrasse. Et vous avez plein de souvenirs de vous petite, puisque votre maman vous photographiait énormément. Oui. Elle faisait aussi pas mal de vidéos, on va le voir. On va vous retrouver là avec votre papa. Mon papa. Donc, son prénom, c'est Alain Jallier. Alain Jallier, oui, c'est ça. Et votre papa, vous écrivez, quand on vous demande un petit peu de parler de vous, que vous étiez, là où vous avez grandi, donc en l'occurrence, c'est le 5e arrondissement de Paris, vous étiez la seule quasiment à avoir un papa noir. Oui, c'est ça. C'est vrai que le 5e, c'est un très beau quartier. Je m'estime très chanceuse d'avoir grandi dans un quartier comme celui-ci, rempli de culture, dans des conditions quand même assez aisées. On aura une petite photo tout à l'heure. Voilà. Mais c'est vrai que, oui, mon papa était le seul papa noir. Je l'ai assez vite relevé que... Je ne vivais pas exactement dans les mêmes conditions. On avait un petit appartement, mais c'est vrai que mes amis avaient des hôtels particuliers, des choses comme ça. Et qu'il y avait quand même un certain clivage entre le départ dans la vie. Et que oui, parce que le 5e, c'est quand même un arrondissement huppé de Paris. Hein, voilà. Et c'est vrai que c'était le choix de ma maman, en fait, quitte à avoir un tout petit appartement. Il tenait à ce que je grandisse dans un quartier rempli de culture. Et je la remercie énormément pour ça, parce que je pense que c'est ça aussi qui m'a donné le goût de la découverte culturelle. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais sentie complètement à ma place dans ce quartier-là, comparé à quand je revenais au Gros Morne, où j'allais explorer la jungle en culotte avec mes cousins. Le 5e, c'était... Oui, pour moi, c'est la jungle. La campagne, quoi. Ouais, au Gros Morne, par rapport à Paris, effectivement. Oui, pour moi, c'était la jungle, ouais. C'était la jungle et j'adorais ça. Et Paris, c'était différent. Ouais. C'était différent. Alors, on va vous retrouver tous les trois avec maman également. Votre maman qui est originaire de Paris? Oui, c'est ça. Voilà. Bah là, c'est justement dans la boîte de nuit où mes parents se sont rencontrés. Ils étaient déjà dans la. Mon père était barman et ma mère était DJ occasionnellement dans une boîte de nuit brésilienne de Paris. Et donc, j'ai grandi. J'étais dans les soirées tout le temps, dans la musique. Je dormais sur les banquettes jusqu'à pas d'heure. Donc, papa barman et maman DJ? Oui, c'est ça. Pas mal, ça. C'est original, ouais. Ils se sont rencontrés là-bas. Donc, On comprend mieux le goût pour la musique, déjà. C'est ça. Déjà, en plus du nom, déjà, j'ai grandi dans un univers très, 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 très musical, ouais. À quel moment est-ce qu'on se rend compte que papa et maman sont un peu différents, en tout cas au niveau du teint, et qu'on est un petit peu entre deux cultures? Assez tôt, Je pense que c'est par rapport au fait que
quand j'étais à Paris, on me faisait bien sentir que j'étais noire. Et à contrario, même si je me sentais chez moi à Grand Morne, on m'appelait la petite blanche. Donc moi, quelque part, quand on est enfant, quand on est jeune, on veut juste appartenir quelque part à un clan. Et j'arrivais pas à trouver ma place, en fait, parce que même si j'essayais de toutes mes forces d'être la plus parisienne possible, on me faisait sentir que non, c'était pas vraiment des nôtres. Et en Martinique aussi, on me disait oui, mais non, t'es quand même très blanche. Il y a le petit accent qui devait trahir ça aussi. Oui, voilà. Donc au final, bon, bah, j'ai fini par accepter et à revendiquer mon métissage. C'est vrai que c'est quand même une force, selon moi, d'avoir ces deux choses-là. Mais ça met du temps quand même. Je pense qu'il faut la maturité pour s'affirmer et ne pas essayer de rentrer dans un moule à tout prix pour satisfaire les gens. Alors, on a de très jolies photos de vous petites, puisque je le disais, votre maman en faisait beaucoup. Et celle-ci, par exemple, avec la canne à sucre. Ça, c'est encore au Grand Morne. J'adorais. Dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un manguier, j'ai la chance d'avoir des cocotiers, j'ai la chance d'avoir de la canne. Donc, je demandais à mon papa, je le fais encore aujourd'hui, quand je vais le voir, il me coupe toujours un petit bout de canne à sucre. Et c'est un plaisir que j'ai depuis toute petite. Ouais. Et puis, je le disais, votre maman a fait aussi des vidéos. Oui. Et on va retrouver une charmante vidéo. C'est 1993, vous aviez 3 ans, en fait. Voilà. Voilà, la petite Marina aimait beaucoup la mer. Oui, j'aimais beaucoup la mer. Ça, c'était à Tartane, donc forcément, à côté du Grand Morne, on allait quasiment tous les jours à Tartane, à Lens-l'Étang. C'était des très beaux moments en famille. Ouais. Et même si vous avez la vidéo, vous avez des souvenirs encore de vous avez l'impression que vous vous souvenez encore de ces périodes-là? Même si vous étiez petite, oui, à 3 même ans. Si je suis petite, bizarrement, j'ai pas trop de souvenirs de Paris, mais je me souviens de tous les moments en Martinique, en fait. Comme si c'est vraiment ça qui m'a vraiment marqué dans mon enfance. C'est ces moments où j'étais là, chez moi, quoi, en fait. Et puis, on va vous retrouver avec maman. Là aussi, une petite photo sympathique. Elle est belle, ma maman. Et elle, son prénom, c'est ? Isabelle. Isabelle. Voilà. Comment sont les rapports entre mère et fille ? Ça va mieux. C'est vrai que ça a été houleux parfois, parce que je tiens clairement mon caractère d'elle. C'est aussi ma plus grande force. Mais à l'heure actuelle, elle a pas mal douté à l'époque, quand je me suis lancée dans ce que je faisais. Ce qui est normal pour une maman, quand sa fille arrive et lui dit « je vais filmer des concerts et gagner ma vie comme ça », elle m'a dit « d'accord, mais tu vas faire quoi comme métier ?» Donc j'ai dû lui prouver que je savais ce que je faisais. Il y a eu des fois des petites tensions, parce qu'elle était inquiète pour sa fille, ce qui est normal. Mais à l'heure actuelle, elle est très fière de moi et elle me remercie d'avoir persévéré, puisqu'elle voit que je suis très heureuse et ça la rend heureuse aussi. Ouais. Et quand elle vous a vu, vous rapprochez de votre culture martiniquaise, de vouloir revenir en fait ici, même si c'est de façon ponctuelle, comment elle a réagi? Je pense qu'elle l'a très bien compris, parce que quelque part, je suis sa fille et qu'elle a toujours senti que j'avais cette attache-là à mon île, et que elle voyait bien qu'à chaque fois qu'on partait, j'étais dévastée, que je parlais que de la prochaine fois qu'on allait revenir, que c'était vraiment là-bas que je projetais toute ma vie, en fait. Donc, je pense que c'était une suite logique. Elle s'y attendait, quelque part, à mon avis. Alors, un autre cliché super sympa, sur les épaules de papa. Voilà, avec le maillot, on voit très bien de foot, toujours. C'était quoi? C'était Italia, c'est ça? Ouais, c'était une Coupe du Monde en 90, il me semble. Oui, tout à fait. Qu'il avait eu... J'étais très petite fille à papa. Hein. C'était très papa. Très proche de lui, donc. Très proche de lui. Alors, à ce qui paraît, on se ressemble beaucoup. Les gens me le disent tout le temps. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que, mais très proche de lui, Et puis, très proche aussi de vos cousins. Oui. Qui sont, eux, du Grand Morne, également. Oui, c'est ça, C'était Cédric et Rodrigue, les jumeaux. Et ils avaient la maison à côté de la mienne. Et c'est là où je passais mes journées, en fait. À jouer au foot devant la maison, à regarder des Disney Channel. Donc, le goût pour le foot, c'est eux? C'est plus mes parents. Ouais. Mais mon père a joué au foot au réveil sportif pendant très longtemps. Et ma mère est très passionnée de foot aussi. Donc, elle m'a déjà emmenée au Maracana, au Brésil. Elle m'a emmenée au Parc des Princes. Mais les cousins étaient très contents de jouer au foot avec moi, effectivement, dès que je revenais.
On va avoir deux autres photos de vous, toujours petites, hein, de photos très sympas aussi. Il y avait un vrai soin que votre maman prenait à faire des photos, de très jolies photos. Elle avait déjà un goût pour l'image dans la famille. Pourtant, elle est agent de voyage, donc elle n'est pas du tout dans l'image. Mais c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir, là c'est une petite sélection, mais j'en ai vraiment des centaines de très belles photos de moi. Et puis on va passer à la séquence Gros Morne, parce que effectivement le Gros Morne, c'est dans vos racines martiniquaises, c'est le point clé. C'est ça. Là vous reconnaissez, c'est le bourg. Alors vous préfériez la campagne, on va avoir une petite vidéo tout à l'heure à la campagne, mais le Gros Morne, fière d'être Gros Mornaise d'origine en tout cas. Très fière d'être Gros Mornaise. Déjà, on va quand même parler de Zane Palsy, qui était Gros Mornaise aussi, donc j'ai pas la prétention de me considérer à son niveau, mais c'était une grande inspiration pour moi. L'école où étaient mes cousins, c'était l'école des Zane-Palsy. Et c'est vrai que quand on parle du Gros Morne, il y a toujours des petits rires, des petits « on sait très bien ». Et en fait, du coup, moi, j'ai décidé de prendre ça à contre-pied et de le revendiquer encore plus fort, en fait. Ouais, c'est-à-dire que je suis très fière de venir du Gros Morne, même si on sait que c'est un coin un peu perdu, que les gens n'y vont pas trop. Mais moi, je trouve que... Bon, c'est la campagne martiniquaise. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est... Voilà, c'est le Gros Morne. Pas trop dire au Gros Mornais que c'est un coin perdu. Hein. Non, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie, en fait. C'est vrai que dès que j'affirmais que je venais du Gros Morne, on me disait ça. Et du coup, moi, je défendais de dire que non, le Gros Morne, c'est très joli, il se passe plein de choses, plus ou moins. Et que pour moi, c'est une des plus belles communes, le Gros Morne. Et puis, il y a des cabris au Gros Morne. Oui. On regarde. Mais je cherche partout pour les cabris. Mais tout ? Ouais. Mais d'arrêter. J'étais là partout, j'étais là-bas, tout ça. Ah, mais c'est bête, on va voir. Mais où on va voir ? Bon, d'accord. Tiens, toi, tu vas manger. Voilà. Moi, je te suis. Bon, y a pas de... Il y en a pas qui s'accrochent, mais s'il y en a, qui s'accrochent au pain. Waouh. Oh, tu mets une petite caméra. Allez, avance. Moi, je suis un petit popotin. Tu vas pas filmer le monde aussi. Voilà, Marina à la recherche des cabris. C'est ça, dans mon jardin. C'était ma passion d'aller chercher mes cabris dans le jardin. Vous avez encore du temps pour aller les voir, les cabris ? Non, ils ne sont plus là, les cabris. Hein. Ça fait un moment que... Non, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, c'est vrai, il y en a d'autres. Ouais. Et puis, on va vous retrouver, Marina, dans la maison familiale au Gros Morne, chez votre grand-mère. C'est ça, c'est la maison... Avec papa. C'est là où habite mon père à l'heure actuelle et c'est là où j'ai la majorité de mes souvenirs. Je pouvais rester à jouer dans une bassine d'eau, là, pendant des heures, avec mes cabris, mon chien à côté. C'est des moments très simples, mais qui m'ont beaucoup marqué. Ouais. Et puis, le lien avec votre grand-mère, on va voir sur la photo suivante, où on voit bien cette proximité. Elle est partie, j'étais assez jeune. Je devais avoir 13-14 ans. C'est vrai que c'était une dame très gentille, qui était connue au Gros Morne. Apparemment, tous les enfants, quand ils étaient punis ou qu'ils avaient peur de se prendre des coups, venaient se réfugier chez elle. Elle cachait les enfants pour pas qu'ils soient punis. C'était une dame très gentille. Elle recousait les costumes de tout le monde. Et on parle encore d'elle à l'heure actuelle. Elle a eu le temps de vous transmettre plein de choses, je pense. Oui, je pense. Je pense qu'elle a eu le temps. Malheureusement, elle est partie cancer du sein, suspicion de chlordécone. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 12-13 ans. Suspicion de chlordécone, puisque Gros Morne, méchant, etc. Donc j'aurais aimé la connaître plus, mais je sais qu'elle est... apparemment, on se ressemble aussi beaucoup, donc je sais que... Enfin, on me dit que quand elle était jeune, elle me ressemblait énormément. Ouais. Donc je me dis que je la porte avec moi quelque part aussi. Ouais. Alors, il y a eu un passage dans votre adolescence qui est aussi important, parce que c'était, c'était votre passion, le foot. C'est ça. Pendant une grande partie de ma vie, je pensais que je finirais footballeuse. Alors à l'époque aussi, ça faisait un peu rire, parce que le football féminin n'était pas autant développé que maintenant. Mais c'est vrai que le foot, pour moi, c'était toute ma vie. J'avais entraînement tous les jours, qui pleuve, qui grêle. Ouais. J'avais pas l'impression... Bon là, on a l'impression que je souffre un petit peu, mais sinon... T'es pas contente d'être sur le banc, en tout cas. Oui, j'étais punie là. On me faisait faire la chaise quand je n'écoutais pas. Mais sinon, pour moi, c'était merveilleux cette période-là de ma vie. Beaucoup de très bons souvenirs aussi. Ouais. Mais on a une autre photo, on vous voit en action. La footballeuse en action. C'est ça. Beau geste. Il y a un but là, je me souviens. Je fais un centre et il y a un but de la tête derrière. Vous avez commencé à jouer au foot en compétition à quel âge ?
Alors, j'ai commencé à jouer au foot très tôt, tout le temps dans la rue, mais mes parents ne voulaient pas me pousser à en faire en club. Ils voulaient que je choisisse. Donc, j'ai commencé assez tard. Enfin, assez tard, je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Et très vite, j'ai grimpé les échelons. J'ai été jusqu'en Détroit, du coup. Ouais. Et là, après, vous jouiez dans quelle équipe ? J'étais à Issy-les-Moulineaux, dans le 92. Et après, bah, je me suis blessée. Enfin, j'avais beaucoup de blessures à la cheville. Vous avez été assez loin. Il y a même eu un stage de détection à Clairefontaine. Oui, j'étais à Clairefontaine. C'était en même temps que Laurent Blanc passait son diplôme d'entraîneur. Ah ouais. Je mangeais avec lui à la cantine, j'étais très fière. J'allais lui parler. Donc, non, c'était vraiment une très belle période. Mais malheureusement, bah, j'étais numéro 9, donc attaquante. Et bah, je me faisais tacler très, très souvent. Ce qui a fragilisé énormément mes chevilles. Et à un moment, je ne pouvais plus, en fait. On m'a dit. Mais vous auriez bien aimé faire une carrière professionnelle au foot. Ah, je pense que je serais restée là-dedans. J'étais assez prometteuse. Et en même temps, je me dis que si j'avais fait ça, je n'aurais jamais fait de l'image. Donc, les choses arrivent pour une raison. Donc, voilà. Vous jouez encore un petit peu ? J'essaye, mais je me reblesse assez facilement. Malheureusement, je garde des articulations très fragiles, donc j'essaye d'éviter, même si j'ai toujours envie de taper la balle dès que je peux. Et puis, on va terminer cette rubrique Kimounouye avec le quartier où vous avez grandi, le quartier latin, 5e arrondissement à Paris. Quartier très riche culturellement, cinéma, énormément. Musique. Et c'est un quartier qui vous a apporté beaucoup. Oui, énormément. C'est quand même fou de se dire que là, quand je vois ça, c'est avec mes copains, les premières fois où j'ai bu en cachette, c'était sur le parvis du Panthéon. Il y avait des cinémas historiques où on allait l'après-midi. C'est un quartier qui est incroyable. Et je pense que quand on grandit dans un puits culturel comme ça, ça nous nourrit forcément de quelque chose. C'est un quartier très cosmopolite aussi, où on rencontre des gens de toutes origines. Ouais, c'est ça. Ouais. Et un vrai brassage. Quoi. Ouais, ça a dû nourrir, je pense, la créativité qui m'habite aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup de chance pour ça, même si, encore une fois, je n'étais pas totalement intégrée. J'ai quand même de la chance d'avoir grandi là, ouais. Et on va le voir, quand vous avez quitté le quartier latin, c'était pour aller assez loin, de la rubrique Matinique. Alors, habituellement, Marina, la rubrique Matinique, c'est pour parler de l'activité professionnelle en Martinique, mais en l'occurrence, vous l'avez commencé ailleurs. Et ça a commencé, je crois, par un grand voyage. C'est ça. Je me suis cherchée pendant longtemps, après mes études, je sentais bien que tous mes amis partaient dans des facs de droit, ça ne me parlait pas trop, donc j'ai commencé par faire un peu de psycho-enfantisme, parce que j'adorais les enfants, mais pareil, ça me convenait pas, donc à un moment j'ai tout lâché et j'ai décidé de prendre un aller simple pour aller vivre à Hong Kong. J'avais pas beaucoup comme ça, de sous. Hong Kong par hasard ou... Non, j'ai une opportunité professionnelle là-bas, j'étais prof de français pour les enfants d'un homme très riche qui travaillait dans la finance. Donc, c'était une très belle opportunité. J'étais logée dans une très belle villa. J'avais vraiment des conditions de vie qui étaient incroyables. J'ai pu vraiment découvrir Hong Kong, rencontrer plein de gens. C'était vraiment un voyage très, très enrichissant. Ouais. Et je sentais que j'allais vers quelque chose, en tout cas. Je ne savais pas encore quoi. Ouais. Je n'avais toujours pas tenu une caméra à ce moment-là de ma vie, alors que j'avais peut-être 22, 23 ans. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je fais ça depuis toujours. Mais non, à ce moment-là, je ne savais toujours pas quoi faire. Et ensuite, après, j'ai dû quitter Hong Kong parce que je n'avais pas de visa, je n'étais pas déclarée. Sinon, vous y seriez bien restée. Oui, j'ai hésité, j'ai vraiment hésité. On m'a même fait une proposition professionnelle de diriger une ligue féminine de foot là-bas. Ah oui ? Oui, parce que ça arrivait tout juste à Hong Kong et j'ai entraîné une équipe féminine et on m'a proposé ça. Mais c'est comme si je sentais que le voyage n'était pas encore à son terme. J'ai hésité, parce que là, c'était beau, mais je voulais voir autre chose encore. Donc, vous êtes partie ailleurs ? Oui. J'ai continué sur l'Australie, du coup. J'ai été à Sydney pour être jeune fille au pair. Et j'ai trouvé, forcément, l'Australie, c'est magnifique. Ouais. C'est des paysages à couper le souffle. Et c'est là, du coup, que je me suis dit, je vais acheter une petite caméra pour immortaliser ça. Mais à la base, c'était vraiment pour moi, pour les souvenirs. Et du coup, j'ai commencé à monter les images de ce voyage-là. Et j'ai découvert que j'étais passionnée par le fait de tout caler, de passer des heures sur des points de montage. C'était vraiment... Je voyais pas les nuits passer, je faisais des nuits blanches pour monter des vidéos de plage. Enfin, vous avez découvert une vraie passion, quoi. Pour le montage à la base. C'était vraiment le montage qui me passionnait. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ça, en fait, parce que j'avais pas été animée par quelque chose depuis très longtemps. Et je me suis dit, je sais pas quoi faire, mais il faut que je rentre à Paris et que je développe ça absolument. Et du coup, j'ai même écourté le voyage pour rentrer à Paris au bout de 3-4 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Et le retour à Paris, ça a été véritablement
un nouvel itinéraire avec la caméra cette fois, comme on le voit oui. sur cette... Ouais, ça a pris un petit peu de temps quand même, parce que comme je disais, j'ai dit ça à ma mère, qui m'a dit « Ouais, bon, je suis pas sûre, il passe un diplôme quand même, parce que t'en as pas », donc je me suis inscrite à l'école pour avoir le diplôme d'état de monteuse, du coup. À côté, je bossais dans la restauration pour payer mes études, enfin, c'était assez éreintant. Et je commençais du coup à faire mes premiers tournages aussi en indépendance. Ça, c'était 97, je crois, hein, de mémoire. 97 Non, j'avais 7 ans en 97. 2017, pardon. Oui, ouais, ça devait 2017. Être, ouais, quelque chose comme ça. Donc, c'était je faisais des petits clips pour des amis. Voilà, je me faisais la main. J'ai vraiment appris en autodidacte. Le cadre, par exemple, je n'ai pas fait d'école pour ça. C'est sur le terrain que je l'ai appris. Ouais. Voilà. Racontez-nous la rencontre avec Warner, la compagnie ouais. du cinéma. Warner Bros, c'est assez atypique parce qu'en fait, du coup, moi, je travaillais principalement dans la musique et donc je filmais un rappeur qui s'appelle Giorgio, un rappeur guadeloupéen. Et donc, il y avait, je crois que c'était un responsable de com de chez Warner qui était fan de ce rappeur et qui, du coup, suivait son actualité et donc a vu mes vidéos de rap et s'est dit pourquoi pas transposer ça sur des avant-premières, des événements, pour avoir des choses dynamiques. Et qui m'a contacté, il m'a dit « J'ai vu votre vidéo du Zénith, est-ce que vous voudriez faire l'avant-première du Joker à Paris ?» Et bien sûr, j'ai dit oui, je crois que c'était un de mes plus gros contrats de début de carrière. Beau contrat hein, pour un début de carrière. Ah oui, oui, non, moi je me suis dit que c'était incroyable de vivre ça. Et on va voir ce que ça a donné en vidéo. C'était incroyable. C'est une performance énorme de la part de cet acteur. C'était hallucinant, franchement. Vraiment. Oscar direct. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Voilà, sacrée carte de visite hein, quand on bosse pour la Warner Bros. C'est ça. Sur le Joker et d'autres. Hein. Oui, il y a eu Harry Potter oui, aussi. Oui, événement Harry Potter. Après, ça, c'était plus pour de l'interne, donc c'est pas forcément. Ça, c'est un peu frustrant parce que c'est des beaux projets, mais qu'on peut pas trop diffuser. Il y a des clauses. Mais Harry Potter, Batman, j'ai fait beaucoup de choses avec eux. Et, ça ouvre des portes, forcément. Oui. Derrière, c'est une très belle carte de visite. Moi, de toute façon, j'ai jamais voulu m'enfermer dans un style de musique, dans un style de vidéo. Je suis vraiment ouverte à plein de styles différents. C'est important pour moi. Je pense que l'un nourrit l'autre. Ouais. On va vous retrouver là à la caméra en 2020. Les concerts, c'est vraiment ce que vous aimez faire, et notamment les backstage, tout ce qui concerne les coulisses des spectacles, en fait. Hein. J'ai toujours eu cette fibre-là. C'est vrai que les concerts, les festivals, comme j'avais pour habitude de dire que j'hiberne en dehors de l'été, et dès que l'été arrive, c'est là où je travaille le plus. Je dors quasiment pas, je suis en tournée tout le temps. C'est éreintant, mais c'est vraiment... l'émotion qu'on a quand on est sur scène, l'énergie qu'envoie le public quand on fait des scènes, des fois, de 40 000 personnes. C'est, on est en communion avec l'artiste aussi. Il y a quelque chose qui se crée. On vit quelque chose avec l'artiste sur scène. Et puis, c'est vraiment important pour moi de capter l'émotion plus que le show en lui-même. Bien sûr. C'est vraiment ce côté déjà un peu documentaire, de filmer l'avant, l'après. Je trouve qu'il se passe des choses très intéressantes dans les coulisses. Vous aimez plutôt les festivals, plutôt le plein air ou alors la salle, comme on va le voir là, sur la vidéo à l'Olympia? Non, moi, c'est les festivals. Hein. C'est les festivals. Ça, c'était avec Mayra Andrade à l'Olympia. Non, c'est deux énergies différentes. Mais c'est vrai que les festivals, c'est l'été, il y a beaucoup plus de monde. Les gens sont vraiment là pour... ils sont en dehors de leur routine. L'énergie est vraiment différente. Dans les salles, les gens sont plus attentifs en général. Il y a une énergie qui est différente à capter que festival, ça déroule. Quoi. Les gens envoient une énergie incroyable. Et puis, donc là, en l'occurrence, Maria Andrade, c'est ça? C'est une Brésilienne? Cap-verdienne. Cap-verdienne, voilà, c'est ça, tout à fait.
Et vous avez, à partir de ce moment-là, vous avez régulièrement été contacté, été appelé par, oui. par des artistes plutôt connus, d'ailleurs. Oui, 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 il y a beaucoup de monde, après, vraiment de styles très, très différents. Et, après, c'est le bouche à oreille. En général, quelqu'un voit mon travail, se dit « j'aimerais bien l'avoir avec moi ». Et oui, oui, je peux être aussi bien contactée par Edmarie Randrade que des chanteuses colombiennes, que des rappeurs, que de la pop, que la variété française. Enfin, c'est très éclectique, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup me challenger, même sur des styles de musique que je n'écoute pas, de me dire comment je vais rendre ça beau, en fait, même si ce n'est pas mon style à la base. Ouais. Et là, vous êtes avec une handicap, enfin, je ne sais pas si c'est précisément une handicap, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que l'idée, c'est d'être au plus près de l'artiste aussi. Ouais, alors, ce n'est pas ce que je préfère, hein, le stabilisateur. Ça donne des images très lisses, donc c'est bien. Mais quand je peux m'en passer, je l'ai acheté assez tard, au final, parce que je trouve que plus le matériel est gros, plus, justement, il y a une barrière entre l'artiste et moi. Ouais. Au final, ma caméra est assez petite, donc des fois, on l'oublie presque. Et c'est vrai que l'artiste, à force de me voir tout le temps avec lui et ma petite caméra, il oublie qu'il est filmé. Ouais. Et c'est ça qui donne en fait ces moments vraiment uniques et très intimes, parce qu'il n'y a pas de barrière entre nous. En fait. Et puis il y a eu de superbes rencontres, hein, ben, notamment avec celle avec Gaël Faye, qui est, qui est ben, lui aussi métisse, oui, d'origine africaine. Ouais. On va avoir une super vidéo que vous avez faite avec lui. Bougez, gigotez, gigotez. Ok. Parfait, basket blanche, chaussettes bleues. Là, je me respecte, parce que j'ai mis ça vraiment comme ça. De la mer brillante Caraïbe jusqu'à couper ce soir même. Combien de fois sommes-nous tombés, et pourtant, venons de si loin que l'on s'étonne encore d'être là. Juché sur les épaules des géants. Ok, Superbe vidéo, donc Gaël Faye au festival Le Poupet. C'est ça. En 2022, donc Poupet c'est en Vendée, je crois. Oui, c'est ça, l'année dernière, ouais. Voilà, on jouait juste avant Stromae et c'était la plus grosse scène que j'ai faite, je crois, 45 000 personnes, la sienne aussi d'ailleurs, et on s'est accordé, je pense que lui aussi c'était une de ses plus belles scènes, et l'énergie ce jour-là était vraiment incroyable. Mmh. C'était dingue, et comme Stromae, il est originaire du Rwanda. C'est ça, voilà. Il est métis aussi rwandais, d'ailleurs on a eu des grandes discussions sur le métissage, il est retourné vivre au Rwanda aussi, lui, il y a 5 ans, donc il m'encourage dans ma démarche aussi de retour au pays, c'est des choses qu'on a en commun. Donc, Et puis, il sait aussi rendre hommage à ceux qui bossent bien avec lui, comme on va le voir là. On a également cette personne incroyable qui me suit sur scène, Marina. S'il vous plaît, du bruit pour elle. Marina, filme, filme. À la caméra, celle que l'on nomme Mauvaise Fille, alors qu'elle est incroyable. Du bruit pour Mauvaise Fille. Mauvaise Fille, à la caméra. On va archiver ce moment-là. Voilà, superbe hommage, hein. 45 000 personnes qui acclament Marina. C'est ça, ça fait toujours un peu bizarre. En plus, c'est pas automatique. Enfin, les artistes le font pas. Moi, c'est pas quelque chose. Mais c'est vrai que quand ça arrive spontanément, alors que je suis en plus dans mon travail, c'est des grands moments d'émotion et de frissons. Et Et il a dit, Marina, c'est aussi Mauvaise Fille. Alors pourquoi Mauvaise Fille? Mauvaise Fille, c'est le nom de votre société, en fait. C'est mon nom de scène. C'est mon nom de scène. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé à très bien marcher, je me suis posé la question un peu marketing, de savoir est-ce que j'opérais sous mon nom ou est-ce que je me trouvais en une sorte d'alias. Et j'ai trouvé ça intéressant, justement, de prendre un surnom, quelque chose... Pourquoi Mauvaise Fille? Alors justement, moi, par rapport à mon caractère, je suis un peu provocante. J'aime bien marquer les esprits. Et c'était important. La bad girl, quoi. Ouais, voilà. C'était important qu'on sache déjà que je suis une femme derrière les images, parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc je pense que c'est un vrai atout. Mais je ne voulais pas que ça fasse non plus fifi, gnangnang, parce que ce n'est pas moi, en fait. Ouais. Et donc, le Mauvaise Fille accroche pas mal les gens. C'est vrai qu'on me demande souvent, mais pourquoi Mauvaise Fille? Pourquoi? Pourquoi? Et ça marque, en fait, quelque part. Et
on s'en souvient, donc en fait, c'est que j'ai réussi mon coup quelque part, en fait. Et puis, il y a eu une autre rencontre, sympa aussi, assez récente, avec une Martiniquaise, Meryl. Oui. On regarde. J'aimerais vous dire merci quand même. Merci pour les 2 ans, merci pour tout ça. Vous êtes restés là et merci beaucoup, ça me... Merci pour la Martinique, merci pour les Antilles et merci pour tout ce qu'on va accomplir. Je me sens comme mon bras, compact. On joue dans 30 minutes. Je vous mets un coup de rhum avant. Moi c'est Manu, pas cassant. Toute bague et camomille, pirate, caraïbe, là et pion. Soleil à chaud, neige à pas qu'à fond. Caché diffé ou bien caché con. La rivote France, pas ni fashion week, y'a que crocodile. Ici y'a tout mon nican. Chaque sa proie c'est dans. Laisse à toi, let's say rum. Enfermez tout seul sans con. Voilà, jolie rencontre, hein, mais Meryl, il y a des ressemblances hein, quand même au niveau du parcours, du côté un petit peu révolté. Oui, côté... bah, on est deux femmes antillaises, Saint-Esprit gros morne, on est là pour, vraiment, on a la mission de faire rayonner la Martinique le plus fort et le plus loin possible. Et je pense que voilà, on est chacune dans nos arts à défendre ça, et c'est ce qui fait que la rencontre a été aussi évidente en fait. Et que, voilà. Ça ne doit pas être trop compliqué, même s'il faut le talent de l'image, de faire ressortir une ambiance quand il y a du monde comme ça. Oui. Mais il y a aussi des choses qu'on sent, même s'il n'y a pas forcément énormément de monde dans la salle, il y a des choses qu'on sent au niveau du feeling avec l'artiste, etc. Quoi. Oui, non, mais ça, c'est comme je disais, pour moi, c'est important d'être proche de mes artistes, c'est important qu'ils se sentent à l'aise avec moi et que, en fait, ils ne me voient pas. C'est-à-dire que je suis sur scène, mais à aucun moment, c'est vraiment où je suis, elle fait son show, et moi, c'est à moi de m'adapter à ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est. Et en plus, vu que je connais le show, ça, c'est toujours un avantage parce que je sais les moments forts, je sais à quel moment le public va réagir, je sais que là, il faut que je le prenne en plan large, en plan serré. Donc, non, c'est vraiment une collaboration. Moi, je vois ça comme une collaboration. Elle fait son show et moi je m'adapte. Et en général, les artistes vous laissent faire. Ils n'interviennent pas, À l'heure actuelle, oui. Au début, forcément, on me donnait des consignes. Ouais. Mais j'ai la chance, à l'heure actuelle, qu'on m'appelle en me disant « Fais ce que tu sais faire, c'est ce qu'on aime et on te fait confiance, en fait. » Donc, ça, c'est vraiment sympa puisque je peux faire la chose à ma sauce, en fait. Puis Meryl, c'était aussi le retour à vos sauces martiniquaises. Oui. Ça a commencé avant elle, avec Thomas Boutan, notamment. Mais c'est vrai que ça, c'est dans la continuité. C'est comme si c'était logique. Quand c'est arrivé, je me suis dit « Bah oui, en fait, c'était écrit, c'est... » C'est comme ça que ça doit se passer. Bien, on en reparle justement de votre retour dans la rubrique politique. Okay. Donc Marina Jallier, vous votez politique clairement, c'est revenir à vos sources, revenir au pays, travailler le plus possible au pays en fait, clairement. Ouais, c'est vraiment une démarche que j'ai entreprise il y a quelques temps maintenant. Ça veut dire que vous recherchez encore un peu votre identité martiniquaise, vous vous y sentez, ressentez pleinement déjà? Non, là c'est bon. Là, je suis pleinement dedans, il n'y a aucun problème avec les deux documentaires que j'ai faits notamment, qui sont quand même assez axés sur le patrimoine, que ce soit le zouk, la biguine, le jazz. Je pense que j'avais peut-être besoin de ça pour valider le fait que j'étais légitime à cette place-là. Les retours ont été excellents, on m'a remercié, que ce soit les jeunes, de leur faire connaître certaines choses. Ou les anciens de payer respect à ça. Donc, non, je me sens vraiment à ma place dans ce que je fais à l'heure actuelle. Et on va avoir votre regard sur la nature martiniquaise, la mer particulièrement, dans cette vidéo. I'm facing back to front. Over my shoulder at the sun. And it's an open door. And off my line of sight once more. Out of line, out of line. It'll all be fine this time. Out of line, out of line. Cause you always seem so kind. Out of line, out of line. It'll all be fine this time. Out of line, out of line. I'm not afraid to die.
superbes images avec ce pêcheur. Oui, Yves, une très très belle rencontre aussi que j'ai faite un peu par hasard, au détour d'une partie de domino à l'Anse du Four. Et c'est un peu mon papa de cœur, il m'a appris, il m'a emmené avec lui faire la pêche, comment est-ce qu'on fait les casiers. On passait des longues soirées à parler de la Martinique, il me racontait son histoire. Et je faisais gros mort dans ce Dufour sur ma petite moto pour aller le voir tous les jours. Les gens me disaient, mais t'es folle, c'est loin. Je dis, ouais, mais j'avais besoin d'être proche de lui. Et c'est quelqu'un de très important. Ouais. Alors, la musique, c'est le groupe Odessa, c'est pas martiniquaise. Non, mais, c'est pas du tout martiniquaise. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Je trouve ça bien, justement, de mélanger les styles. C'est important de pas s'enfermer non plus. Ouais. Je suis très chauvine, très martiniquaise, mais je pense que de faire rayonner la Martinique, ça passe aussi par le fait d'ouvrir à d'autres choses aussi. Et peut-être que quelqu'un tombera sur cette vidéo via Odessa et découvrira la Martinique. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça, c'est une bonne démarche à faire. Et puis, vous faites aussi de très jolies photos. Mmh. On va en voir quelques-unes. D'abord, là, cette ombre chinoise avec une bière dont on ne va pas citer la marque. D'ailleurs, on ne la voit pas. Oui, bah c'est Yves encore. Voilà, les soirées, on regarde le coucher de soleil en refaisant le monde à l'Anse du Four. Il y a aussi la rivière du Lorrain, qu'on voit sur le cliché suivant. Très, très jolie photo. Oui. Alors, c'est jamais vraiment une nature. J'allais dire une nature morte. On imagine effectivement la rivière qui bouge un peu, mais il y a toujours une présence humaine là sur les photos. Alors, en l'occurrence, pas là. Là où on était, c'était après un cyclone, une tempête, je crois. Oui, ça, c'est la randonnée de la Caravelle. D'ailleurs, j'ai vu récemment qu'il a été complètement détruit, ce pont, depuis. Déjà, il n'allait pas très bien, mais ouais. Et puis les street life, comme vous dites, ça, je crois que c'était Tartane, ces scènes de vie. Oui, Tartane, j'ai passé beaucoup de temps à Tartane avec les garçons de Tartane au tout début, quand j'ai commencé à beaucoup plus revenir ici. Mmh. Et je trouve ça très beau, je trouve que tout est beau chez nous de toute façon, même la rue, il y a toujours du beau en fait, quelque part à prendre. Et là, alors, en l'occurrence, on est sur des photos de nature. L'important, c'est de saisir l'instant, le moment qui va faire que la photo va être. Alors là, en l'occurrence, il y a le chien là-bas qu'on aperçoit en arrière-plan. Et puis, il se trouve que le regard du jeune homme est dans cette direction-là. Mais c'est un peu la même démarche que quand je filme, en fait. Je ne vais jamais demander à qui que ce soit de faire quoi que ce soit pour ma caméra. Ouais. C'est vrai que moi, ce n'est pas tout ce qui est même court-métrage. Long-métrage, moi, j'aime vraiment que les gens vivent leur vie. Ouais. Et je vais saisir ce qu'il y a à saisir. Et des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Mmh. Et voir ce que j'ai pris, en fait. Quand je prends les photos, je ne sais même pas ce que ça va rendre avant de les voir. Mais ça rend souvent des trucs très beaux, Alors, ces photos sont tirées de votre site internet, dont on va retrouver la homepage, la page d'accueil. Et je vois que la Martinique, elle est clairement affichée en page d'accueil. D'un côté, la musique, de l'autre, la Martinique. C'est ça. C'est vraiment mes deux identités. Je navigue entre les deux à l'heure actuelle. Je rentre faire les festivals en métropole, je reviens en Martinique. Je pense que c'est vraiment mon équilibre. Je ne pourrais pas me passer de l'un ni de l'autre, en fait. C'est très important pour moi. Et on voit donc Mauvaise Fille, vidéographeur, donc vidéaste, en fait, quand on le traduit. C'est ça. Votre métier réel, c'est quoi ? Bonne question. C'est très dur de répondre à ça, parce qu'à la base, j'ai un diplôme de monteuse, mais je filme aussi mes images. Vous êtes réalisatrice maintenant ? Oui, je réalise des documentaires maintenant aussi, je prends des photos. Il vous arrive de monter pour d'autres ou vous montez uniquement pour vous ? Ça m'arrive, mais c'est de plus en plus rare. Mais oui, je prends toujours les contrats quand ils arrivent, mais c'est vrai que les gens veulent vraiment avoir ma patte de bout en bout en général, donc on me donne toute la chaîne. De bout en bout, voilà, exactement. et le montage, au départ, c'est ce que vous avez préféré ? Oui. Puis maintenant, vous êtes aussi à. Oui, mais en fait, ça part de quelque chose. Je suis très perfectionniste. Et les images que je recevais, je n'étais pas totalement satisfaite. Je me disais, j'aurais pu faire mieux ça. Et à un moment, je me suis dit, fais-le toi-même, en fait. Ouais. Et comme ça, tu seras contente. Parce que comme on va monter derrière, on sait exactement ce qu'on veut. On va vous retrouver là en photo, en train de travailler sur un documentaire. Begin Jazz Collective, ça. C'était Begin Jazz Collective. Ouais. Et on va vous retrouver aussi avec Jocelyne Béroir, parce que vous faites aussi des interviews, Marina. Oui, alors ça, c'était dans le cadre du documentaire, du coup, pour le Begin Jazz Collective. Ouais. On interviewait des artistes par rapport aux réinterprétations des chansons qu'avait fait le groupe. Et donc ça, c'était un grand moment pour moi, parce que Jocelyne, c'était mon premier documentaire. Je commençais à peine l'exercice d'interviewer des gens. Vous la connaissiez ? Non. Pas encore ? Non, je ne la connaissais pas. Donc j'étais très impressionnée, mais ça s'est très bien passé. Ouais. Elle a adoré. D'ailleurs, on va voir le cliché suivant très complice, dos à dos. Oui.
Non, non, vraiment, elle a adoré le documentaire derrière. On l'a eu au téléphone, elle a été très émue. Je sais qu'elle a vraiment été contente de l'hommage qu'on a rendu à Marius Cuttier, à La Fleur et l'Oiseau. Donc, j'ai réussi mon travail correctement. Je suis contente. Le concerto pour La Fleur et l'Oiseau qu'elle avait chanté d'ailleurs également et pour lequel elle avait eu un prix. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait venir sur le documentaire pour en parler justement. Ouais. Donc, on en arrive à la séquence Begin Jazz Collective. Mm-hmm. Alors, il y a eu quelqu'un qu'on voit sur le cliché suivant. Je crois que c'est Maher Bora qui est un peu à l'origine avec Thomas Boutan. Alors, non, c'est Manuel. Ah, c'est pas Maher, c'est Manuel Boutan qui est à l'origine. Lui, c'était le pianiste, c'est le pianiste du groupe, en fait. Oui, tout à fait. Du coup, donc c'est Thomas et Manuel Boutan qui sont à l'origine. Mais Thomas me disait qu'il l'avait, que Maher l'avait beaucoup encouragé. Oui, oui, bien sûr. Maher, il est beaucoup dans cette démarche aussi de mettre en avant le pays. Donc, de toute façon, tous les musiciens du groupe sont très impliqués là-dedans. Et c'est vraiment une très, très belle aventure qu'on a vécue tous ensemble, ce documentaire. Ce que ça a amené derrière, c'est incroyable. Et là, le fait de faire vous-même les interviews, vous saviez exactement ce que vous vouliez, en fait, clairement, et que c'est plus simple de les faire vous-même Oui. Après, non, j'avoue que je tâtonnais un peu. Hein, c'était le premier. Je me suis dit, bon, on va essayer comme ça. Et oui, en tant que réalisatrice, ça me paraissait beaucoup plus évident de mener, moi, la conversation vers là où, là où je voulais aller. Et puis, encore une fois, ça crée aussi une proximité, du coup, avec les personnes, qui fait que derrière, je peux les filmer, ils me connaissent, on se parle régulièrement pour les interviews, tout ça. Mmh. Donc, c'est important. Ouais. Alors, Begin Jazz Collective, c'est une superbe aventure qui est en cours encore. Hein. Oui, bien sûr. On va vous retrouver là avec tout le groupe, tous ceux qui ont travaillé à la réussite du projet. Une très jolie photo. Alors, on va d'abord voir effectivement la vidéo. Un collectif de nos meilleurs jazzmen. 8 musiciens représentant la fine fleur d'une génération. Un véritable coup de cœur de cette programmation, un véritable all-star de musiciens de la nouvelle génération du jazz caribéen. Begin Jazz Collective. Le Begin Jazz Collective. Begin Jazz Collective. Yipati. Voilà, donc c'était à la fois à Chantilly d'abord et ensuite le lendemain le festival de Vienne, le festival de jazz de Vienne en France. Ouais. Sacrée ambiance, bien restituée par le petit making of. Merci. Non, c'était fou cette tournée là qu'on a fait l'été dernier aussi rapidement après la résidence et l'album. L'engouement qu'il y a eu autour de ce groupe, moi, c'est une très grande fierté, puisque j'étais là, j'ai capté quand même la genèse du groupe et de voir à quel point ça a pris, même en métropole, où c'est des fois dur de s'exporter. C'est dingue, ce groupe, c'est dingue. Ouais. Et à l'origine, donc, il y a cette rencontre avec Thomas Boutan, Thomas Boutan, fils de Christian Boutan, qui lui a créé le festival Begin Jazz. Voilà.
Et Thomas qui a eu l'idée avec, avec Manuel, son cousin, ouais. De monter ce big band en fait. C'est ça. En fait, c'est le Covid qui fait que le festival ne pouvait pas avoir lieu. Donc il a dit, il faut faire quelque chose quand même. Et donc il a choisi de faire cette résidence, de réunir voilà les meilleurs musiciens de la Caraïbe et de voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, derrière. Tout a glissé naturellement. Moi, il m'a contacté du coup pour le documentaire, alors qu'on se connaissait pas, et ça a été le début de notre amitié, notre collaboration. Vous avez rencontré à Paris ? Oui, un concert de musique caribéenne de Youssan à Paris. On a un ami bassiste, le bassiste de Maïrandrade justement, qui en nous voyant dans la salle a fait le lien et a dit il faut absolument que vous vous rencontriez. Et il nous a juste dit bon voilà Thomas Marina, maintenant faites de la magie ensemble et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Et on voit bien l'adhésion du public. Ce qui ressort, c'est clairement comment le public français, européen, a adhéré à cette musique qu'ils ne connaissaient pas. Oui, en fait, mais en fait, ils ne vont pas forcément aller la rechercher, mais si on leur met sous le nez, ils sont super contents. Donc en fait, quelque part, il faut forcer le passage. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller nous chercher, mais il faut y aller. Et les gens, c'est fou. Les gens et on le voit, il y a de sacrées bêtes de scène. Non, mais oui. Bah oui, il y a Ralph Lavita, Ludovic Louis, Maher Borah, Stéphane Castry. Ils savent comment. C'est des grands musiciens, de toute façon, qui ont déjà fait des grosses scènes. Ils savent comment le public et ça passe tout seul en fait. Et puis il y a eu aussi la restitution de la résidence de création qui avait eu lieu à Chantecler, dont on a vu quelques photos tout à l'heure. En Martinique, aux Trois-Îlets, là aussi on regarde. Ça va être chaud patate. Ça fait du bien. Donc, ce n'était pas le concert de restitution, c'était le concert d'ouverture du Begin Jazz Festival de l'année dernière, au Florali. Et là aussi, super succès. Ouais. Les gens nous attendaient. Clairement, on avait tourné dans toute la France tout l'été. On n'avait pas encore fait de date au pays. Donc, les gens étaient chauds. Les places sont parties super vite et l'ambiance était incroyable. On a beau faire des jazz à Vienne, c'est vrai que quand on joue au pays, c'est particulier. C'était super. Ouais, c'était vraiment super. Donc, la photo que j'ai annoncée tout à l'heure, on va la voir maintenant. La photo de groupe du Begin Jazz Collective et aussi en partie du festival Begin Jazz. Super groupe. Alors, on voit à côté de Thomas, Thomas Boutan, que j'ai eu l'occasion de recevoir un petit peu avant, justement, le Begin Jazz Festival, il y a quelques mois. Vraie complicité et puis une super ambiance dans le groupe. Non, travailler avec Thomas, c'est un vrai plaisir. C'est un leader, c'est quelqu'un qui a plein d'idées. Je ne sais même pas comment le décrire, tellement il y a d'adjectifs, mais je suis vraiment contente de l'avoir rencontré. On a plein de projets ensemble, on continue d'avancer, on se soutient, on se porte mutuellement. Ouais. Et on est vraiment dans la même démarche de grimper ensemble. On a envie de représenter cette jeunesse martiniquaise qui a faim, en fait, et qui veut aller conquérir le monde. C'est hyper important pour nous. Ouais. Et vous avez déjà obtenu une belle récompense, on va la voir, le prix FIFAC en Guyane, le c'est festival... Ça. Du film Amazonie-Caraïbe. Ça aussi, très étonnée, c'est mon premier documentaire, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc c'est un documentaire sur la résidence... Voilà, sur la résidence du Begin Jazz Collective. Voilà, en fait. Qu'on a pu voir d'ailleurs sur Zitata également. Et du coup, j'apprends qu'en Guyane, il a été primé face à plein d'autres documentaires, on m'envoie le prix à la maison, et puis, avec très grande fierté.
Et il y a eu un second documentaire qui s'appelle Zouké, qui est passé récemment sur Martinique Première, là, qui était davantage sur le zouk, comme il a dit c'est son nom. Ouais, c'est ça. Et là aussi, de très bons retours déjà. Oui, j'ai eu de très bons retours. Bah, toujours dans cette démarche, en fait, dedans, il y a des archives sur Kassav, voilà, la place du zouk dans la société. Moi, c'est vraiment, mon ancrage, il est vraiment là. J'ai beau être jeune, j'ai vraiment envie de parler de notre patrimoine, parce que je trouve qu'il se meurt un peu quelque part. On a des documentaires, mais ils sont très vieux. La succession ne se fait pas forcément, je trouve, à ce niveau-là. Nos jeunes se tournent beaucoup plus vers la culture américaine, vers ce genre de choses, et je trouve pas assez vers ce qu'on a, qui est hyper riche, en fait. Donc, moi, c'est ça, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Ouais. J'ai envie de leur mettre le nez dans notre patrimoine, en fait. Il ne faut pas oublier, c'est ça. D'où ce projet de faire revivre Mona ? Oui, bien sûr, il y a le Mona. Alors, ça fait très longtemps qu'on est dessus, parce que là, c'est vraiment un très, très gros challenge. Mona, on ne peut pas se rater, on s'attaque quand même Avec Thomas également. Avec Thomas, oui. Puisqu'on a ouvert notre boîte de production, La Fleur et l'Oiseau, du coup. La Fleur et l'Oiseau, tiens. La Fleur et l'Oiseau production. Et donc, oui, le Mona, on est dessus et on va faire les choses très, très bien parce que, pour moi, ça sera une très grande fierté de faire un documentaire sur ce très grand homme, justement. Vous avez d'autres projets déjà, d'autres choses que vous visualisez comme ça dans quelques temps ? Il y en a, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Thomas va me disputer, donc je préfère rien dire, mais effectivement, on est sur... Toujours autour de grands noms comme Mona ? Alors, pas que. Mmh. On a aussi des projets à côté. On a un projet d'émission aussi où on a envie d'aller emmener les gens dans les festivals, dans les concerts... pour montrer les coulisses, pour prendre les organisateurs, etc. On ne veut pas seulement s'axer sur la Martinique non plus, parce qu'on a des très belles îles voisines, comme la Guadeloupe, Saint-Martin. C'est important pour nous aussi de montrer que c'est toute la Caraïbe qui est riche, en fait. Ce n'est pas que la Martinique. Donc, on va partir un peu à la conquête de ces îles-là, montrer ce qui se passe aussi à côté. Ouais. Et vous, Marina Jallier, alors ailleurs, à Paris ou ailleurs, vous avez quoi comme projet ? Bah là, pour l'instant, j'ai vraiment pour projet de revenir en Martinique, en fait. Martinique avant tout. Paris, je suis installée maintenant, c'est-à-dire que là, je vais revenir faire les festivals cet été. Je sais que je vais avoir des dates, ça va bien se passer, mais je n'ai pas de projet sur le long terme là-bas, alors que je sais que vraiment, ma tête est tournée à la Martinique, vers la Martinique. Et d'ici septembre-octobre, grand maximum, j'ai vraiment envie de revenir m'installer ici. D'intérêt pour la fiction pour le moment ? Non. Non, du tout. Vraiment, on reste sur les documentaires. Peut-être que je vais y arriver, mais moi, c'est encore une fois... Vous aurez forcément des propositions à un moment ou à un autre. Oui, bien sûr. Je les analyserai. Ça peut être une fiction autour de la musique, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment dans ma manière de réfléchir et de concevoir les choses. Je suis tellement dans l'instant présent, en fait, et de saisir les moments, que ne serait-ce que de scripter quelque chose, de devoir écrire, machin, c'est... On verra. J'y arriverai peut-être. Merci beaucoup en tout cas Marina Jallier pour ces bons moments en musique, en photo, en vidéo. Et puis on espère, on va vous retrouver forcément sur Zitata d'ici quelques temps. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous chers Zitata de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne soirée ou bonne journée.